Bonjour, comment avoir un visa de Suriname et aller là-bas? Comment aller facilement au Suriname? Quelles sont les exigences administratives pour aller au Suriname? Quel est le budget que je dois avoir pour aller au Suriname? Franchement, j'ai reçu beaucoup de messages sur le Suriname, les gens veulent aller là-bas, mais sauf qu'il n'y a pas trop d'informations. Et même s'il y a des informations, c'est en anglais ou soit à des langues de certains pays africains ou beaucoup de gens ne comprennent pas. Alors dans cette vidéo, moi je vais vous donner un peu les détails, l'essentiel des informations pour aller au Suriname. Alors avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas fait. Dans cette chaîne YouTube, vous aurez des vidéos pareilles où on va parler comment voyager pratiquement. Ici, je ne vais pas parler des explications. Ici, je vous dis concrètement comment aller au Suriname. Alors avant de continuer, je vais d'abord vous donner le profil du Suriname. Donc vous présenter le Suriname. Le Suriname est un petit pays situé sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud et qui a comme voisins trois pays, la Guyana, le Brésil et la France à travers le Guyane française. Et le Suriname, c'est la seule nation souveraine en dehors de l'Europe où le néerlandais est la langue officielle. Ils ont aussi leur seconde langue qui s'appelle Sranantongo. Et la capitale du Suriname, c'est Paramaribo. Pour le salaire, bien sûr, beaucoup de gens vont se poser des questions, mais bon, voilà. C'est 6 000 $ surinamais, donc équivalent à 170 $ par mois. Voilà, ça c'était le Suriname. Alors, comment aller au Suriname? Qu'est-ce qu'il faut pour aller au Suriname concrètement? 1. Il faut avoir de l'argent et en suffisance. Parce que tu ne vas pas vouloir voyager, aller loin de ton pays sans avoir de l'argent et puis en suffisance. Ça, c'est la première des choses. 2. Par rapport au visa, transport, séjour, frais de transfert, frais de transit, on ne sait pas calculer compte tenu des différents pays et monnaies. Donc, il y a des pays où on utilise les dollars ou soit des pays où on utilise les francs CFA. Donc, pour aller là-bas, partant de ton pays. Donc, tout doit être calculé par rapport à beaucoup de choses. Par exemple, écoutez-moi bien, vous aurez besoin d'un visa. Ça coûte combien le visa pour le Suriname? Vous aurez besoin des documents à présenter à l'immigration de Suriname parce qu'on ne peut pas vous donner le visa sans avoir certains documents. D'ailleurs, à propos de facilité de visa pour le Suriname, en 2023, il y a eu restriction de visa pour certains pays, dont des pays africains. Nous allons vous lire un article que nous avons trouvé qui vont vraiment vous donner. Donc, c'est juste un extrait que nous allons vous lire. Vous pouvez quand même vous-même aller lire cet article où on explique comment est-ce que le gouvernement du Suriname a été obligé de restreindre le visa pour certains pays, même de pays africains. C'est un article de cette site internet que vous voyez sur le fond de votre compte qui s'appelle caribbean.loopsnews.com. Article de 20 avril 2023 et l'article est intitulé « Le Suriname réintroduit les exigences de visa pour un certain nombre de pays ». Donc, je continue à lire. « Moins d'une année après que le Suriname a aboli l'obligation de visa pour tout le pays, cette mesure est réintroduite pour 21 pays. À partir du 1er mai 2023, l'obligation de visa s'appliquera à 21 pays dont le citoyen abuse de visa de voyage sans visa au Suriname. Donc, le gouvernement du Suriname, à partir du 1er mai 2023, avait réintroduit le visa pour certains pays. Selon le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération internationale, Albert Ramdin, ils comprennent le pays caribéen de la République dominicaine, de Cuba et du Venezuela. Et d'autres incluent l'Inde, le Népal, le Pakistan, le Bangladesh, le Kenya, le Ghana, la Somalie, le Cameroun, l'Éthiopie et la Syrie. La décision de réintroduire cette exigence a été prise mercredi, bien qu'il ait également eu une augmentation des arrivées en provenance de la Chine, du Maroc, Roumanie et de la Colombie. L'obligation de visa pour les citoyens de ce pays n'a pas été rétablie. Donc, c'est-à-dire que vous comprenez que ce n'est pas parce que le visa, hein, voilà, pays de transit où vous avez des objectifs que vous avez vous-même, que vous allez penser que pour arriver au Suriname, ça sera facile. Donc, il y a quand même des restrictions, il y a quand même des complications à l'aéroport. On peut même vous faire retourner de votre pays. Donc, concrètement, vous devez préparer votre voyage, votre visa, que tout soit vraiment clean, clean, blanc, blanc. Et pour votre information, avec toutes ces vagues d'arrivées de migrants qui arrivent aux États-Unis, le gouvernement américain met la pression à certains pays d'Amérique dont, pour avoir les visas ou soit arriver dans ce pays, c'est facile, de changer leur politique migratoire. Donc, les politiques de visa, les politiques d'arrivée, donc ils doivent vraiment être très strict pour les gens qui arrivent de certains pays et je dirais concrètement même des Africains. Donc, vous comprenez quand même que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas ce que vous pensez parce qu'on voit visa gratuit ou facilité de visa que tout est aujourd'hui
clean comme il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans passés. Donc, les choses ont réellement changé. Et tout ce que vous venez d'écouter là, c'était juste pour le visa. Et encore, il faut avoir le réservation d'hôtel. Il faut avoir un budget de séjour d'une ou de deux semaines pour avoir le visa. Avoir le billet d'avion, de transit ou de scale. Donc, je ne sais pas, vous allez transiter par des pays où vous devez encore avoir le visa ou soit payé. Donc, à la fin, l'objectif du voyage, concrètement, moi, je vous poserai la question à vous qui me suivez, c'est d'aller visiter juste le Suriname parce que c'est un pays que vous rêvez de visiter ou soit d'aller travailler là-bas. Donc, si vous avez un contrat de travail, des entreprises au niveau de Suriname ou soit devenir étudiant ou soit aller tenter gagner votre vie sur place. Bref, c'est facile pour aller au Suriname, mais il faut tenir compte de tout ce qu'on vient d'énumérer ici. Donc, il faut avoir de l'argent. Tu ne peux pas vouloir quitter ton pays et aller en Amérique, c'est loin, sans avoir de l'argent. Parce que beaucoup de gens m'appellent, oh non, moi j'aimerais aller. Mais quand tu leur dis, tu as combien, tu leur poses des questions, tu as combien comme budget pour aller au Suriname. Souvent, les gens tâtonnent et c'est compliqué même d'aider les gens. Concrètement, pour aller au Suriname, tout dépend de ce que je viens d'énumérer. Donc, si tu n'as pas compris, réécoute tout ce que je viens de dire là, voilà. Vous allez comprendre que pour aller au Suriname, il faut avoir de l'argent et certains documents. Et je vais répondre à certaines personnes qui pensent que le visa, pour leur, en fait, avec leur passeport, ils peuvent aller au Suriname gratuitement. Oui, le cachet, on vous le donnera gratuitement. Mais on va vous poser beaucoup de questions avant de vous donner les cachets en question du visa gratuit. On vous posera les questions. Est-ce que vous avez les documents, par exemple le vaccin? Vous avez eu des vaccins, de la fièvre jaune, de la tuberculose, du coronavirus? Est-ce que vous avez les réservations d'hôtel? Vous avez le budget séjour, un compte en banque? Vous avez un billet d'aller-retour? Voilà, donc tout dépend aussi des visas demandés. Par exemple, pour beaucoup de gens, ils pensent qu'avec le visa visiteur, ils vont y résider, vivre, avoir un permis de séjour. Non, le visa visiteur vous permet juste d'aller visiter le pays et ne pas de vivre ou soit de se faire ou soit de gagner de l'argent. Concrètement, aller au Suriname, c'est facile, mais il faut préparer le voyage. Donc, on peut quand même vous aider en privé en calculant. On ne sait pas calculer compte tenu de votre pays, du budget, de l'argent que vous avez. Donc, franchement, ce sont des calculs qui doivent être faits concrètement avec le visa, des documents que vous devez avoir, les réservations. Donc, je le répète pour que vous compreniez. Aller au Suriname, c'est facile, mais il faut tout calculer. Et à la fin, comme je l'ai souvent dit dans cette chaîne YouTube, il faut savoir le budget, c'est-à-dire avoir le plan B. Après avoir arrivé au Suriname, quel est votre plan B? Et à partir de cela, vous allez faire un bon voyage au Suriname. Donc, prenez le temps de calculer, de connaître les tenants et les aboutissants. Le coût du voyage, ça va vous coûter combien? Et après, le plan B, quand vous arrivez sur place, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, vous aurez des vidéos pareilles. Voilà, Bakolo Est Afrique ici, nous parlons de vidéos pareilles. Et puis, partagez la vidéo à d'autres personnes. Commentez. Si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à prendre contact avec nous en privé sur le numéro affiché sur le fond de votre écran. Merci. On se retrouve à la prochaine.